Putain, le feu quand même, hein. Voilà, donc là on est parti amener la première canne. Donc on traverse. Tac, donc sur prolongateur. Donc on va sur la rive opposée. J'arrive à le retrouver ce prolongateur, je sais pas où il est. Donc là, comme vous voyez, hop, donc je viens d'amener un prolongateur sur la rive opposée. Donc ça ressemble à ça, voilà, c'est pour venir attacher notre cassin ici. Donc je me suis piqué sur l'arbre. Hop, ça pique. Et environ 2 mètres d'eau sous moi. Et là je vais venir y piquer un bouchon. Donc pour le montage, c'est tout simple. Montage au bouchon traditionnel, comme pour pêcher à la dérive au bouchon, quoi. Le seul truc qui va changer, c'est qu'on va venir normalement faire une boucle pour attacher le cassin. Mais moi j'utilise une cheville de 10 où on vient faire un double nœud dans la cheville pour bloquer. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là je vais venir faire mon cassin. Donc double nœud. Tac. Le cassin je le fais d'environ entre 10 et une 30, ouais, une 30 cm à peu près. Ça sert à rien de le faire trop grand. Hop. Donc là on se retrouve avec un petit brin cassant qu'on va venir attacher sur notre prolongateur, tac, et qu'on va venir mettre sur notre petite attache qui est là, tac, tac. Voilà, ensuite on va venir régler le fond, attention, lâche-moi un peu de mou, voilà. Là ensuite on va venir régler le fond. Donc moi je veux pas trop que ça pêche bien profond. Donc on va régler environ, je pense que là ça devrait être pas trop mal. Tac. Et là pour bloquer ma cheville, je vais venir faire une clé comme ceci. Et je vais venir la serrer. Hop, je vais venir la serrer comme ceci pour avoir ma distance de pêche. Vas-y Jules, tends un peu. Tends. Doucement, doucement. Attends. Oh, oh. Ça, ça a chassé juste là. Ça se fout de notre gueule. Donc là, on y arrive au fond. Comme ceci. Voilà. Donc là, regardez le montage comme ça se présente. On va bien. Ouais, nickel. Ensuite, on va venir mettre le vif en dernier. Donc moi j'utilise des montages hameçon simple triple avec un rattle. Donc je le pique sur la dorsale et je laisse le triple en voleur. Donc là on a un joli carassa. Moi je pêche pas avec des vifs trop gros. Pour moi la bonne taille ça serait 200-300 grammes, comme une truite en fait. Voilà, ça c'est la bonne taille pour moi. Donc on va venir gratter les écailles. On plante l'hameçon simple. Hop. Et on va laisser le voleur pendre comme ceci. Allez, on va aller là. Tac. Hop, on règle la profondeur de pêche. Hop. Le cassant est pêchant et on peut retourner sur la rive. Ouais, t'as encore un peu quand même. Pas de nous. Pas sûr que tu vas faire. Oh, non. Ah, t'es pas de mètres. Ça t'a fait pas mouiller en vrai. Ouais. Ah, laisse-moi faire son cinéma. Ouais, les gars, le premier. Ouais, il doit faire 1m60-70 pratiquement. On va le mettre là sinon. Voilà, c'est le premier de la session, donc on l'a fait en pleine journée. J'ai repéré un poisson de 2 mètres en haut qui chassait.
J'ai essayé de le faire en leurre, il a eu peur de moi, et là on va avoir un putain de départ. Je suis en train de ramener la ligne à Miré en plus. Donc, bon poisson, on le remet à l'eau. Allez. Oui, la fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Je sais pas si bien. Encore. Tu l'as décro, non? Ah putain, tu l'as décro. Ça. Et si tu l'as décro, Putain, j'ai cogné la tête là. Là, il donne tout ce qu'il a là, le sieur. Je te jure. Là, c'est un pince. Là, c'est un pince, regarde. Il galère. Allez, oui, allez. Oh là, ça va casser là. Oui. Prends la canne, faire. Mets-lui dans la gueule. Pas, hein. Si il y est. Ah, si il y est, non. Ah. Il y est, ça y est. Non. Oh putain. J'ai rien, putain. Mais... T'es sûr? Ouais. Ah, je sais pas. Ou alors c'est vraiment... Si, il y est, tu racontes. C'est petit. Je sais pas. C'est petit, je pense. Il va se dire... On a un bouchon à la surface là-bas, non? C'est lourd, Cam, non? Il y est. Ah. Après, il n'y a pas des grosses cannes, hein, Jules. Ah si, si, ok, mais là, regarde. Si, si, ouais. Je pense que... Le frein, faut l'ouvrir un peu. Ouvre le frein. Desserre le frein un peu. Ouais, desserre. Pas trop. Ouais. Là, t'es bien, là. Voilà, là, t'es bien. Ah. C'est lui non, surface. Ah. Il revient vers toi non? Il va te mettre la misère, il va commencer à te mettre la misère. Ah oui! C'est ça qu'on veut, les bouts de frein. Action de pompage! Après, attention parce que c'est pas des. Ouais, t'es sûr? Après, c'est pas une grosse canne qu'il a, Jules. Hein. Donc ça te paraît impressionnant, mais. Dès qu'il a pas une grande canne. Là, il y a minimum 1,50 quoi. Oui, bah oui. Il a l'air d'être joli, ouais. Si, il est beau. En fait, il s'est. Putain, t'es gâteau de triple. Descends pas, Pierre. Bon, ouais, les gars, on voit bien la tête. Ouais, nickel. Le deuxième, départ de Miléré, il nous a cassé les couilles, ce putain de poisson. Il nous a fait un départ en une minute. Le départ, il a duré un petit peu plus gros que celui de Jimmy, je pense. Il doit faire 1,70 et Jimmy doit faire 1,60. Voilà, impec. Allez, on remet ça à l'eau. Tu veux faire? Ouais. Attends. Gros. Ouais. Là, j'essaye, attends. Ah, mais je connais. Moi aussi, je vais faire. Bien, quand tu arrives à le bord. Il est pas encore au bord là. Oula. Et alors, t'en prends dans ta gueule. Celle-là, c'est bon. Quand ça fait ça avec celle-là, c'est bon. Hein. Essaye de la garder un peu basse ta canne. Là? Ouais, voilà. Laisse le combat tranquille. C'est pour avoir des plans. Je veux le voir moi. Je crois une petite déco. Mais c'est un peu ton frein, c'est trop serré. Non. T'es pas loin. Là, je vais. Oui, ton frein. Pas loin. Frein serré à bloc. Pas loin, je vois encore le filin. Pas loin quand même. Il est pas loin là, il est au bord. Ouais, je dis 1,70.
Et là tu vas arriver au bout. Ouais. Il y a un Red Bull. Pareil. Ouais. Même taille, non? Je pense un petit 60, hein. Eh, hey, viens voir, papa. Oh, si, il est beau quand même, hein. Un 60, hein. Du coup, là, tu penses un 60. Un 70, je pense, mais plutôt. Ouais, un 70 même. Piqué à l'hameçon simple. Ouais. Vite, frère. Oh, il a le crâne vide. On t'a plus un petit coup sur la tête, moi, je pense. Ouais, c'est un méchant. Je ronque l'autre. Ouais, ouais, il fait. Non, mais il fait. Un 80 même. Ouais, un 80, je pense, ouais. Allez. Essaye d'enlever la canne, Mila. Ah merde. C'est bon, ah, on va bien. Ouais, là, ouais, c'est bon, t'es bien. Bon, là, les gars, troisième départ. Putain, j'ai ma lampe. On voit bien avec ma lampe, quoi. Ouais, c'est bon, nickel. Troisième départ. Ouais, 70, je pense. Ils sont tous calibrés pareil ce soir. On croyait que c'était un pin, il cassait les couilles sur la canne à minerai. Et au bout d'un moment, ça a pété net. Et voilà, il a fait un super combat. Un beau 1,70 là. Un beau poisson qu'on va vite remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Il fait des sacrés morceaux dans l'eau quand même. Ouais, il faisait un 80 sur.